magnifique pont romain. Trop beau. Splendide. Nous on va aller tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Donc ça fait une sacrée montée. Alors je préfère passer par la brigue pour monter que de descendre. C'est moins fatigant dans la descente, on l'a fait l'autre fois. Ça fatigue un peu. Pour monter c'est plus facile. Ouais. Voilà c'est parti, hein. À partir de maintenant. Que du chemin. Non, je parle. Oh putain, il nous a fait le. Il nous a fait la trace. Oh là 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 là. Oh, on va arriver. Je sais pas combien on est. On va monter jusqu'à 2003. On est à 400 mètres à la brique, je pense. Que je la fais et franchement on s'en lasse pas à faire et à refaire. Feignasse que c'est beau, hein. Je disais à Boss, ça me dérange pas de la faire deux fois. Oh non, mais non, c'est fabuleux. Tu peux la faire plusieurs fois après, voilà, après il y a tellement d'autres choses aussi. Il y a de la pierre, c'est un peu plus casse-gueule. Fais gaffe. Voilà.
attaquer la partie la plus dure, en fait, pour moi, quoi. Avec le monkey, c'est du coup de caillou, bien raide. Alors, je l'ai fait en descendant, c'était fatigant. En montée, ça sera plus facile. En descente, tu es toujours sur les bras. Donc là, en montée, tu es mieux positionné. Mais c'est très très beau. On va arriver en haut des alpages, là-haut à gauche. Là. Tout en haut, on va passer au-dessus. Là. C'est magnifique. Hop là. Lui, je l'avais pas vu. Je regarde les alpages. On va pas tout faire. Hein. Il faut mieux les regarder. Ah, quel décor! Quel décor! Super. Il y a intérêt à bien choisir sa trace. Bien regarder au loin. Comme en VTT, hein. La même chose. Le problème, c'est que la trace, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, là, c'est la partie de merde. Moitié mal au dos. À la jambe. Mais ça monte, hein. Pas de soucis. En première. Je suis en première, et puis voilà. Le tracteur, il avance, hein. Tractopelle. Hop là. Hop. En travers. C'est-à-dire que là, là c'est Beyrouth. À 2003, 2004, je sais pas. On va arriver dans les alpages avec les moutons et les patous. Non, did you? Ah, dis-moi qu'on soit arrivé là-haut, qu'on fasse une photo. Voilà, c'est vraiment le plus dur. La partie la plus dure. En partant de l'abri. C'est chaud. C'est plus dur que de faire du VTT, hein, au niveau des bras, même au niveau des jambes, j'amortis un peu tout. Quand il y a un gros caillou, ben, je relève la faux, je ne peux pas être embuté, hop, comme là par exemple. Hop.
Donc c'est vraiment... voilà, hop, là j'ai une légère butée. C'est vraiment du sport. La route du sel en monkey, c'est du sport. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis en demi-squat tout le temps, presque, pour économiser mon dos. Et je tire sous le guidon quand il y a de la caillasse devant. Ah, bientôt on est arrivé, hein, tout en haut là. Après c'est la partie la plus dure, elle est finie. Après c'est du... voilà, il y a du sous-bois. On remonte et on arrive sur une partie plate qui est magnifique. Allez, je vais éteindre. On est bientôt arrivé, donc en 100 ou 200 mètres, un petit virage, une petite épingle. Ensuite je pense que ça devrait être la fin. Je veux la faire remonter. En descente, t'es sur les bras tout le temps. T'en peux plus, on fait une petite pause de seconde. Ou alors on va à l'autre. J'adore là, les alpages. Ah bah, c'est on a combien, tu penses là? Il n'y a pas marqué là. L'altitude? Ah, pas plus? Ah putain. J'aurais dit plus, hein. 780, 500. C'est la route de la poussière. À droite ou à gauche? Le monkey, il est en train de partir en pièces détachées. Là, franchement, c'est... il n'y a vraiment pas, il n'y a même pas un clip, quoi. C'est vraiment un petit clip de rien du tout, là.
assez tôt aujourd'hui. Mais... Alors on va arriver dans les sous-bois. On va être à l'ombre. Alors si c'est comme la dernière fois, ça va être bien vert. Je pense encore que ça va être vert. On est parti quand la dernière fois, il y a 3 semaines, 1 mois. C'était vraiment beau quoi. Là on va rentrer dans les bois là. Voilà, cette partie elle est magnifique. C'est trop beau. C'est splendide. Ah on sent. Ah, les couleurs, le contraste. On ne devrait pas tarder à arriver au péage. C'est quand même un truc de fou. Un péage dans les bois. Les Italiens, ils nous font payer. Ils sont malins. Ils sont malins, c'est vital. Ah là là là. Un peu de gadou. On ne devrait pas tarder, à mon avis. Peut-être 4 km, même pas. J'ai encore barré le... Je vais mettre du scotch comme ça, on au péage là-bas, je mets du scotch. Ouais. Parce que je me suis arrêté. Après, c'est toutes les vis qui dévient, sur le truc, tu les colles au lectique. Ouais, mais ça vient pas du... La vis, elle a rien à voir là. Elle a rien à voir parce que ça s'enlève d'en haut. C'est pas... Ouais. Alors, on est toujours dans les bois. Toujours aussi beau. Merci.
J'ai toujours peur, tu sais, de prendre un trou là, que tu tombes à 3 mètres en bas là. Voilà, le péage. C'est quand même fou en pleine nature de payer quoi. Mais bon, ils entretiennent apparemment. Mais du côté français, apparemment, ils entretiennent pas, c'est gratuit. La partie du buzz, on l'a pas faite. Du buzz ah. Ah ouais, ouais. Coupé, toi, viens là, Denis. Bonjour. Ciao. On va bientôt quitter les bois. Pour rejoindre les sommets. Là, la route elle est tout en haut à droite là-haut. Et là on est à plus de 2000 là-haut. Dans 10 minutes, même pas 5 minutes, on quitte les bois là. Voilà, on arrive à la sortie des bois. Et on va commencer à remonter un peu là. Merci monsieur.
J'ai changé la batterie, Buzz, vas-y. Ouais, j'ai changé la batterie, j'avais plus de batterie. Vas-y, là, je te filme partout, là, c'est beau, là. Là, je te filme, là. Là, c'est beau, là, hein. La moto elle est en bas. Putain, rigole. Oh là là, regarde. Oh là là là. Voilà. Et l'autre fois on l'a pas vu, bah, c'était la brume. Nous c'était tout brumeux, on avançait dans la brume là. Donc on a rien vu quoi. Ouais, là c'est brumeux. Oh là là. Là, il y a mes collègues sur la. Oh là là. Voilà. Putain, ouais, les gars, faites la route du sel. Hein. Si vous habitez dans le coin ou même pas. Oh là. Oh là. 2100 mètres 2002, tu imagines.
À droite, il y a le refuge. Alors, à ce refuge, vous pouvez aller en VTT. Vous pouvez dormir avec des tentes, amener des tentes et dormir juste devant. Il y a une petite pelouse. Et vous pouvez recharger vos vélos dans le refuge. C'est super, super bien fait. Je vais filmer tout à l'heure. Un petit peu de pierrier, histoire de se faire secouer. Boire un petit café ou manger quelque chose au refuge. Quelle beauté! Oh là là. Un petit tour du parking. Voilà, la route du sel, elle continue à droite là-bas. Ça ressort là-bas au fond, tout au fond, tout au fond. Et derrière, on va passer. La station de Limone après. Il y a encore de la route. Bon, même avec les crampons. Hein. Oui, bon, c'est plus facile avec. Vu comme c'est sec, là c'est facile avec tout. Là. Bon, même sur de la terre de toute façon. Dans l'état où elle est là. Je comprends l'important qu'il y a, après tout nettoyer, graisser, tout regretter. Bah, moi aussi, il faut regresser tout là. La poussière, ça faut pas. Non, mais il nous a arrosé, il a fait que nous arroser lui. Moi j'ai bouffé, là. J'ai fait que de bouffer de toute façon. Hein. C'est la journée poussière. Je vais passer dans les plaques d'eau. La journée poussière. Fraîcheur de la rue. Ouais, il faisait plus frais l'autre fois. Là, 2002, 2003, t'imagines la chaleur qu'il fait. Ouais, là-bas, il était trempé. Là. Au refuge d'Ombarbère. Alors, à gauche, là, vous pouvez déposer les vélos. Si vous partez de la brigue en vélo électrique, et ici, il y a tout pour charger les vélos. C'est génial. Contributo 2 euros. Voilà, 2 euros. Voilà. Et voilà. Et là, vous rechargez. Génial. Il y en a même pour réparer. Là, il y a les prises électriques. Vous amenez votre chargeur et vous rechargez. C'est nickel.
Et du coup, il n'y a pas de l'ombre là, moi je vois de l'ombre. Et du coup, j'ai. Non, non, tu peux m'emmener avec moi. T'as déjà pris deux gâteaux. Alors deux gâteaux. Si. Et deux plats. Et deux naturels. Naturels. Charcuterie italienne, ma che c'est bonne, ne che bonne, super bon, focaccia, Gaetano, focaccia du refuge, magnifico. C'est reparti, on quitte le refuge. Alors à gauche là, c'est incroyable. Magnifique. C'est le désert, on est enfumé.
Quelle beauté!
L'autre fois, tu vois, c'était tout brumeux, là, l'origine. Aïe. Oh, je me fais une entorse. À... C'était tout brumeux, là, l'autre fois. De la brume partout. Enfin, ouais, il y avait un peu de soleil, mais ouais, j'avais fait même... Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Allez. Une moto. Courage. Forza Italia. Allez. Courage. Courage. Oh putain, mais t'imagines là? Mais tu peux, mets-toi à côté du mur, là, pas à côté de la chaise. Stress man. Tu peux pas faire tout là? Si, c'est fait. Hein. Voilà, on se retrouve dans la descente de Casterino. Fin de la deuxième partie. L'autre fois, je m'étais arrêté ici dans la première partie, je crois, un peu dans ce coin-là. Et je vais filmer la partie de Casterino que j'ai pas fait. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Moi, je suis déjà là, j'ai pas pu m'empêcher d'appuyer sur le bouton. Dans le sens inverse, les paysages sont pas les mêmes, c'est tellement beau. Et l'autre fois, c'était brumeux, donc je vais tout filmer. Il a fait que de m'enfumer toute la journée. Cagadougat. La gueule pleine de poussière. Ah bah oui, bah je fais que ça toute la journée, je suis enfumé. Hein. T'es noir. Je suis enfumé. Ah non, mais t'es noir. Hein, t'es j'ai jamais autant aussi bien bronzé que. T'es bronzé, on dirait un Africain du Sud. Et j'ai la gratte qui me couille. Ah ouais. Ça fait oh putain. Voilà, station de Limone. Je suis déjà venu skier. Très très bien ici. Voilà. Là, nous, on va basculer derrière, là-bas, en face, derrière, complètement derrière. Il y aura Casterino derrière.
cochon. Ah moi ça. Là j'ai pris un petit raccourci. Oh, une tornade! Incroyable! Une tornade! Une tornade! Incroyable! Oh putain! C'est un peu fou ça! Une tornade! Oh putain! Un truc de fou hein! Une tornade, hein? On passe dans une tornade. Il est où, ben? Il est là. Il nous a pas vu quoi. Le klaxon, il nous a pas vu. Il descend là. On roule là, il fait trop chaud là. Là on est dans la partie française. Enfin, il me semble, je pense. Hein. Et on descend sur Casterino. On a encore pas mal de kilomètres dans la poussière. Et dans les tornades. Incroyable. Il y a des forts de partout. Ça a dû bien péter en 46. J'en ai acheté, j'en ai trois maintenant de batterie. Je suis tranquille. C'est des batteries d'une heure et demie, c'est des enduro. Ça dure hyper longtemps. On descend sur Casterino et après c'est presque terminé. Ça fait une sacrée balade quand même. Faut être en forme. Hein.
pour faire la Java le matin. Le soir. Ouais, t'as des tunnels. Voilà, ils sont là, les tunnels. Je parlais. Ils sont là. Magnifique. C'est là les tunnels, ça, je voulais tuer. En fait c'était là. C'était là qu'en fait il fallait passer. Non, non, mais c'était celle-là que j'ai vue. On l'a déjà pris. Oui, mais c'est là que je te parle des tunnels, moi. Moi je connaissais pas. Ben oui, ben c'est là, mais c'est là que je te parle. Tu dis des tunnels, pour moi il y avait. Ben je sais pas, j'ai vu des tunnels, j'en sais rien. Ouais. Donc c'est là. Oh. On dirait qu'il a fait du plâtre. Il a pris le sac à dos. Ouais, mais lui il est tout propre lui. Hein. Enculé là, regarde. Ah, moi je suis en l'air. Ah, mais toi t'es le premier. Je suis en l'air. Ah mais les bagnoles, je me prends plein de bagnoles. Hein. Ah, ah, donc, beau, ouais. Moi j'ai qu'une envie, c'est de sauter là. Et là il doit être bien assez haut. Pourquoi on se mène pas? Hein? Pourquoi on se mène pas? Non, parce qu'on est du coup de voile. Pourquoi on se mènerait pas? Laurie, comment on descend? Putain, moi j'ai envie de me baigner, moi. Hein. Moi je me baigne. Hein. Non. Mais bien sûr, j'y vais, moi. Mais par où on descend? Par où on descend? Ah ouais, regarde. Là, déjà, je vais pisser. Après Casserino, il y a des rivières avec. Ouais, on va voir en bas. Il y a des accès. On va voir en bas. En bas, on peut. Ouais, attends, je vais pisser parce que je peux plus là. Moi aussi. C'est beau. Ce petit coin-là, il est. Il y a la rivière. Il est très très beau, ce petit coin. J'aurais bien fait un plongeon là. Hein. Qu'est-ce que c'est beau là. Hey. Franchement. La vallée des merveilles. Putain, demain je me lève à 6h, je dors là et je rentre demain matin.
Bonjour. Voilà dans l'état où je suis. C'est pas la route du sel, c'est la route de la poussière. C'est catastrophe. Voilà, petite original. Il y avait les bagnoles, pour le pire c'était les voitures. Voilà, maintenant je redescends sur Cannes. Encore 120 bornes. Et la journée est terminée.